Début de printemps en montagne. Les dernières plaques de neige s'accrochent encore au sommet, tandis que partout ailleurs, un peu plus bas, la végétation a déjà pris un vigoureux élan. Dans les rochers ou sur les pentes herbeuses, en groupe ou solitaire, de petites taches vivantes s'agitent. Pourtant, peu d'animaux fréquentent ces parages élevés où la vie est difficile. Mais celui-ci est un spécialiste de la montagne. Vous l'avez reconnu. Corps trapu, drôle de petites cornes noires recourbées vers l'arrière et plantées entre deux oreilles très mobiles. C'est le chamois qui est de sortie au petit matin. À la fin de l'hiver, les chamois ne font pas belle figure. Depuis 3 ou 4 mois, ils n'ont eu à se mettre sous la dent que quelques rares lichens, un peu de mousse arrachée çà et là sous la neige, et des aiguilles de conifères. Ils portent encore la vieille fourrure sombre et épaisse de la mauvaise saison, aux longs poils délavés par les intempéries. Maigres et affaiblis par le manque de nourriture, ils n'ont qu'une seule préoccupation. Profiter de l'herbe tendre et grasse pour se remplir la panse avec avidité et se refaire la santé par la même occasion. Le printemps est également le moment de bien des changements dans le mode de vie des chamois. Jusque-là, mâles, femelles et jeunes vivaient en petits groupes. Maintenant, les mâles choisissent de quitter les hardes et de vivre en solitaire, à l'écart de troupeaux. Ils s'installent alors dans un secteur dont ils connaissent tous les recoins sur le bout des sabots et s'y déplacent en utilisant régulièrement les mêmes pistes, attentifs au moindre mouvement, à la moindre forme inhabituelle dans leur paysage familier. Comme tous les grands mammifères, les chamois ont une bonne vue et savent parfaitement distinguer le plus petit mouvement du maladroit qui tente de l'approcher. Mais c'est l'odorat surtout qui le met en alerte, et à 400 ou 500 mètres, si le vent est favorable, il détecte l'odeur de l'homme et a tôt fait de prendre la fuite. Les femelles, pendant ce temps, se sont isolées quelques jours dans un endroit calme et peu fréquenté pour faire leurs petits. Dès que ceux-ci ont été assez hardis pour les suivre, elles se sont rassemblées en petits groupes. Très soucieuses de la sécurité de leurs cabris, les mères les emmènent dans les grandes falaises, où les vires herbeuses, suspendues dans le vide, leur offrent tout à la fois de quoi se nourrir et s'abriter sous les surplombs rocheux, loin des prédateurs de tout poil. Constamment en alerte, ces groupes de femelles et de jeunes sont parfois accompagnés d'une très vieille femelle, sans petits et souvent passablement décrépite, mais qui, forte de son expérience, surveille les environs avec encore plus d'insistance et de ruse. Au moindre doute, elle n'hésite pas à s'approcher du danger qu'elle a senti pour se faire une opinion définitive, puis donne immédiatement l'alerte au reste de la troupe qui prend tout de suite la fuite. Plus tard, plus loin dans la falaise, le calme est revenu et la vie tranquille a repris ses droits. En pleine journée, les chamois fuient la forte chaleur.
La petite troupe s'éparpille donc un peu et chaque mère trouve la petite vire ombragée, certes propice à la sieste, mais qui surtout lui permettra de surveiller inlassablement les alentours.